Il y en a un qu'ils redoutent. Dans leur langue, son nom est Dovahkiin, fils de dragon. On est ici parce que je suis en train de me présenter. Donc ici, Valmar l'Argonienne pour vous servir. Hey, hey. Donc dans Skyrim, le retour. Ouais, on a mis un peu de temps à revenir. Hein. Entre les soucis à cause de mes parents, les petits soucis de santé que j'ai eu et que j'ai encore. Hein, il faut savoir, j'ai un nouveau truc là. Bon, normalement, ça devrait pas me tuer. Normalement. Qui fait que ça me ralentit et tout. Et à cause du dernier problème que j'ai là actuellement, je vais faire qu'une petite session en fait. Une petite session d'enregistrement. Donc je suis désolé pour ceux qui voulaient un épisode. Enfin des épisodes. Plusieurs épisodes à la suite de Skyrim. C'est ce que j'avais prévu à la base pour me rattraper de ce retard avec Skyrim. Mais bon, c'est. Voilà quoi. Il y a aussi le fait que j'ai eu une nouvelle idée de projet avec les jeux des Royaumes Oubliés, etc. etc. Bon bref. Et voilà quoi, mais j'aurais quand même profité pour rajouter encore des trucs à Skyrim, mais ce seront très certainement les derniers mods que je rajouterai. Après, il faudra juste que j'attende leur mise à jour, s'ils en ont. Tout simplement parce que, comment dire, j'ai un peu exagéré sur les mods. Il faut savoir que Skyrim, même la Special Edition, peut contenir que jusqu'à 251 éléments actifs. C'est comme ça que moi j'appelle ça, hein, j'appelle ça des éléments actifs. C'est-à-dire les mods, les extensions, le contenu du Creation Club, etc., etc. Bref. Donc déjà, les extensions plus le Creation Club plus le jeu de base, ça nous fait déjà 79 éléments qui sont comptés dans le jeu. Donc 79 éléments actifs. Et là, maintenant avec les mods que j'ai rajoutés, on est à 219. Et de souvenir, ça peut aller que jusqu'à 250 ou 251, je sais plus. Mais bon, bref, en gros, je suis à la limite, là. Le jeu, parfois, il peut ralentir quand il essaie de charger plein de mods à la fois de sa compagnie. Donc, on va éviter d'en rajouter. Hein. Je pense que j'ai assez mis de vêtements dans le jeu. Hein, parce que vous vous en doutez, la majorité des mods que j'ai mis, c'est surtout des tenues vestimentaires. Je suis plutôt content parce que j'ai réussi à en trouver quelques-unes pour les hommes. Bon, pas beaucoup, malheureusement, hein. Vous attendez pas à énormément de tenues masculines qui ont été rajoutées. Hein. Attendez-vous surtout à des tenues féminines, malheureusement. Donc voilà, voilà. Et je rappelle que pour les tenues, justement, je fais tout pour justement éviter d'être le plus... De mettre quelque chose de vulgaire, mais j'essaie quand même de mettre des choses qui se veulent années 70-80 à la Conan le Barbare. J'essaie de recréer des univers à peu près comme ça, voyez. Si vous connaissez par exemple les premiers JDR du genre Donjons et Dragons, vous savez que parfois, certaines images montraient les personnages féminins dans des tenues légères, mais j'essaie pas d'aller aussi dans des tenues aussi légères que celles, par exemple, qui sont que des bikinis, par exemple. Les bikinis, ça c'est non. Ça c'est sûr, ça c'est non. Les bikinis, pas de bikinis. Par contre, des tenues qui se veulent libérateurs au niveau des mouvements, là par contre, je suis d'accord. Comme par exemple, ce qu'on appelle un juste au corps. Si c'est un juste au corps, ok. Parce que ça permet justement une liberté de mouvement. Donc ça peut coller au fait que dans cet univers, les guerrières ont besoin justement d'avoir assez de mouvement pour pouvoir
se battre et tout et compagnie. Donc voilà, voilà. Mais on essaie quand même d'éviter la vulgarité, comme j'ai dit par exemple les Vikni. Par exemple, pour ceux qui connaissent les JDR, il y a par exemple Tiamat. Bon, pour ceux qui savent pas, Tiamat, c'est juste l'une des choses les plus dangereuses, si ce n'est la plus dangereuse, sur laquelle tu peux tomber dans une partie de Donjons et Dragons. Donc déjà, ça t'annonce la couleur, mais il faut savoir que Tiamat, c'est un dragon qui a la capacité de changer de forme et de prendre une forme humaine. Et la forme humaine de Tiamat... Les premières versions, hein, les plus connues, celles qui étaient dans les tout premiers JDR... Ouais, la tenue est discutable. En tout cas, moi, je trouve que la tenue de Tiamat sous sa forme humaine est assez discutable. Donc, voilà, quoi. Hein, voilà, voilà. Je la préfère sous sa forme draconique. Hein. Elle a peut-être 5 têtes, mais au moins, ça ressemble à un truc qui a de la gueule. Vous hein, voyez, c'est pas un espèce de machin comme ça. Donc, voilà. Mais si vous trouvez que les tenues que j'ai trouvées vous semblent un peu trop vulgaires, alors, n'hésitez pas à me le dire pour que je change ça. Par contre, essayez d'argumenter, hein, parce que je veux pas juste changer la tenue parce que vous l'aimez pas. Non, non. On essaie vraiment de trouver des tenues qui vont bien pour tout le monde, mais surtout, il faut que vous m'argumentez si jamais vous trouvez que ça va pas. Pour les personnages féminins, comme pour les personnages masculins. Même s'il y a certaines tenues que je peux pas changer, comme par exemple, vous savez, la tenue que j'aimais bien porter au début du jeu, la tenue des bandits, qui est la tenue de fourrure, l'armure de fourrure, il y a 4 versions différentes, et l'une d'entre elles, c'est en fait juste un kilt. Donc voilà, juste un truc qui... Enfin, un pagne, si vous préférez. Non, c'est plus un kilt, ouais, c'est vraiment plus un kilt. Enfin bref, un truc qui protège bien la partie basse du corps. Donc voilà, alors autant... autant, il y a 4 autres versions qui mettent les personnages plus habillés, et surtout, j'ai essayé de rendre les tenues plus habillées à ce niveau-là pour les tenues de fourrure, pour les femmes, mais pour les hommes, j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé quelque chose qui change les tenues de fourrure masculines pour les rendre plus, plus habillées. Donc malheureusement, les mecs, par exemple, ont toujours uniquement le kilt, par exemple. Dans une des versions de la tenue, ils n'ont que le kilt comme vêtement, donc voilà. Ça révèle les jambes, ça révèle toute la partie du dessus du corps. Donc voilà. Alors autant ça peut être cool et classe, hein. Par exemple, pour notre personnage créé pour les quêtes, pour les sombrages, bon, voilà, c'est pour le côté gros barbare, gros bourrin, donc voilà, et puis la tenue, il va pas la porter longtemps, puisqu'il va avoir une tenue de sombrage, donc voilà. Mais, dans l'idée, vous avez compris ce que je veux dire, c'est bien que je rajoute des tenues, donc voilà, j'essaie de rendre un côté plus sexy à l'univers, mais sans être vulgaire pour autant. Donc voilà, du moins, on va essayer. Donc voilà, voilà. Et par contre, les tenues qui sont vraiment vulgaires et que je n'ai pas pu malheureusement changer pour X ou Y raison, du fait que par exemple, la tenue ne peut tout simplement pas être mieux habillée, eh bien vous inquiétez pas, je prévois que je vous coupe les passages où je vois ces personnages qui se baladent dans ces tenues trop révélatrices pour leur demander de changer de vêtements. Donc voilà, je leur mettrai une autre tenue. Normalement, pour celles auxquelles je pense actuellement dans ma tête, normalement, les tenues qu'elles ont maintenant... c'est des tenues qui ne sont pas des remplacements graphiques des tenues déjà existantes, mais des remplacements de tenues tout court. Donc c'est-à-dire, en fait, j'ai juste à leur dire de remettre leur ancienne tenue, et hop là, c'est de nouveau normal. Donc voilà. Donc normalement, voilà. À bord de ciel, si je me souviens bien, il y a quelques personnages comme ça qu'il va falloir que je regarde ici et là, si on les croise. Donc voilà. Bref. Donc retournons à la quête principale, à savoir, oui, donc les compagnons, donc nous sommes sur ça, hein, je rappelle, hein, les quêtes des compagnons, de ça et compagnie. Le cheval, il faut savoir que des fois l'armure elle apparaît pas, c'est un bug apparemment très connu, de ça et compagnie. Et surtout, la tenue de l'armure du loup, qu'on pouvait avoir. Alors, regardez mon inventaire, voilà. Donc il y a la tenue de Tsun, donc ma tenue principale pour l'aventure principale. Donc voilà, hein, très classe la tenue, de ça et compagnie, vous la connaissez déjà si vous avez vu les autres épisodes. Et nous avons l'armure du loup. Alors, je vous mets l'armure classique. Donc voilà. Donc ça, c'est l'armure telle qu'on avait lorsque je l'ai conçue dans le jeu. Donc voilà. Ça, c'est la tenue qui a été modifiée et tout. Donc voilà. Alors, c'est bien, ça change et tout, mais c'est peut-être un peu trop court au niveau du bas, je trouve, notamment. Donc voilà. Donc j'ai essayé de trouver une autre version de la tenue. Et j'en ai trouvé une autre qui me semble beaucoup mieux. Vous allez voir. Regardez-moi ça. Voilà. Eh, là, c'est mieux. Là, c'est mieux.
Déjà, il y a plus de parties qui sont cachées. Bon, j'aurais préféré qu'il y ait du soleil pour que vous voyez mieux. Et vous voyez, il y a quelques petites latences, donc voilà. Donc, bref. Mais bon, donc ça ressemble déjà plus à la tenue des mecs. Donc voilà. Mais en étant un peu plus légère pour que ça fasse plus féminin. Il y a le côté du fait que c'est une jupe et non une... l'espèce de kilt, justement, qu'ont les mecs. La tenue semble, justement, plus féminine du fait qu'elle a l'air plus... moins lourde en fait, je sais pas comment expliquer mieux que ça, qu'elle semble moins épaisse, voilà, c'est un meilleur terme ça. Elle semble moins épaisse que la tenue des mecs, donc voilà, et donc c'est celle-là que je vais porter. Je trouve qu'elle est parfaitement bien pour ce qui va suivre, donc c'est celle-là qu'on mettra pour le coup, pour les quêtes des compagnons. Après quoi on remettra ma tenue classique. Et ma tenue avec le t-shirt et tout, c'est pour les quêtes secondaires, qu'on est obligé de faire, je le rappelle, pour avoir la fin paix fragile. Hein. Je suis obligé de me taper pratiquement presque tout le jeu de base pour vous faire... une version correcte de Skyrim, du moins le jeu de base. Donc voilà, et j'adore vraiment la tenue. Je trouve que j'ai trouvé une très bonne version de la tenue du loup, en beaucoup mieux. Bref, donc c'est pas tout ça, mais il est temps qu'on se rééquipe. Alors, il me faut donc déjà ça, oui, c'est vrai que je peux pas encore améliorer la grande épée de la Skyforge, hein, donc de la Forge Ciel, parce que je n'ai pas les lingots qu'il faut. Donc voilà, alors, au pire, ce que je ferais, c'est que j'utiliserai le cheat code là pour m'en donner quelques-uns, histoire de pouvoir l'améliorer, mais on va essayer de rester réglo à ce niveau-là. J'ai déjà pratiquement tout l'équipement qui est amélioré à ce niveau-là en mode parfait. Donc voilà, donc on va éviter d'y toucher plus. Donc je remets la capuche, je remets la cape. Donc vous voyez, en plus ça passe assez correctement bien. Donc ça va pour moi. On reprend notre cheval. On reprend donc la route. Et on retourne donc à Blanche Rive, où on doit attendre la nuit pour rejoindre Scourge, voilà. Pour participer à un rituel, apparemment. Et je sais plus si vous avez eu cet écran de chargement. Je vous rappelle, j'ai changé aussi les écrans de chargement. Si c'est un nouveau écran de temps de chargement que vous n'avez pas vu, je vous le laisse. Mais si on l'a déjà vu, je vous le zappe. Comme ça, voilà quoi. Vous voyez la gueule que ça, vous voyez le travail qui a été fait sur ce mode qui propose donc de nouvelles images de chargement qui sont beaucoup mieux. C'est mieux que de faire tournoyer un truc dans une espèce de vide noir avec de la fumée qui sort de temps en temps. Donc voilà, je préfère une image comme ça, hein, qui est fixe, certes, mais qui au moins a de la gueule. Ah, tu m'as fait peur, toi. Pourquoi t'es là, toi? Donc, allons-y. Parfait, c'est la nuit. C'est justement ce que nous voulions. Donc... Ah, et toi, tu veux pas te tirer une bonne fois pour toutes? Oui, avant que... Ah, alors, attendez. Normalement, ici, il y a Felicity. Je sais plus si elle est habillée ou pas. Si elle est habillée... J'aurais pas besoin de couper. Si elle est pas habillée, faut que je la change. Donc attention, je vais découvrir ça avec vous. Ah bah non, c'est vrai, je l'ai emporté chez moi pour éviter que vous voyez ça, pour que je l'habille aussi. Donc voilà. Ah, et aussi, vous voyez, j'ai changé la tenue de Aella. J'ai mis, en fait, que ce soit une cotte de maille au lieu d'être une tenue avec comment on appelle ça ? Que ce soit une version de la tenue avec juste avec juste de la peau. Parce que je trouve que c'est mieux pour elle d'avoir un côté cotte de maille. Et puis ça se rapproche de la tenue donc des mecs. De leur tenue de l'armure du loup. Qu'un truc fait juste avec des peaux de bête, quoi. Je préfère que tout le monde ait un côté armure. Et donc pour Aella, j'ai donc décidé que sa tenue est à la place des peaux de bête. Pam, une cotte de maille. La base forge ce soir. Bah quoi, on n'y est pas là? Avez-vous fini de vous préparer? C'est quoi cet endroit? Yorvask est le plus vieil édifice de Blanche Rive. La Forge Ciel y était déjà avant lui. Nul besoin pour vous d'en savoir plus. D'accord. De la basse forge émane une magie antérieure aux hommes et aux elfes. Nous vous avons emmené ici pour vous rendre plus fort. Partons. D'accord. Est-ce que Cash vient avec moi ou pas pour le coup? Parce que techniquement c'est pas un vrai compagnon, donc est-ce qu'elle a le droit de rentrer? Bon, on va découvrir ça ensemble. Je suis ravi de votre présence.
pas accueilli un cœur tel que le vôtre dans nos rangs depuis longtemps. Qu'est-ce que... La cérémonie piteuse derrière la salle ne sied pas à des guerriers de votre stature. Vous méritez plus que quelques paroles et un banquet. J'espère que vous reconnaîtrez Aella, même sous cette forme. What ? Acceptez d'être votre ancêtre. Nous agissons en secret, car Kodlak est trop occupé à tenter de nous débarrasser de ce don qui nous a été fait. Il nous pense maudits, mais nous sommes bénis. Nous en retirons trop de puissance pour que ce soit une malédiction. Nous nous chargeons donc du problème. Pour atteindre le firmament des compagnons, vous devez partager avec nous le sang du loup. Votre esprit est-il prêt à rejoindre la bestialité de notre monde ? Et si je veux pas être un loup-garou ? Personne ne vous y contraint. Mais pour entrer dans notre cercle, votre sang doit être identique au nôtre. Revenez une fois votre décision prise. Donc j'avancerai pas plus que ça si... Donc c'est vraiment obligé de se transformer en loup-garou quand tu rejoins les compagnons. Oui, je sais qu'il y a la méthode pour pouvoir la... se changer ensuite pour qu'on puisse redevenir une simple personne normale. Mais le truc, c'est qu'il faut d'abord faire... faire autre chose en fait d'abord de ce que j'ai lu, donc voilà quoi, c'est oh là là, et c'est pas un truc compliqué, non, c'est juste un truc qui va être un petit peu long en fait à faire avant d'enlever cette transformation une bonne fois pour toutes. Bon bah allons-y, je suis prêt. Parfait. Vous auriez pu faire un petit effort quand même pour l'animation du truc. Enfin, le jeu est de 2011, on va donc un petit peu lui pardonner ça, même si techniquement ils auraient pu le faire, hein, mais bon. Oulala, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Non, 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 cache! Ne leur tape pas dessus! Ils sont innocents! Ils ont juste vu un gros loulou! À savoir moi, pour le coup. Un loup qui, techniquement, devrait avoir aussi des écailles. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Au secours! Au secours! C'est trop, c'est trop! Tiens, il y en a une qui va falloir dont je change la tenue. Heureusement, on la voit pas trop dans le noir, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? De retour parmi nous. Je commençais à croire que vous ne vous réveilleriez jamais. Votre transformation n'a pas été des plus faciles, mais vous êtes toujours en vie. Félicitations. Nous avons même prévu quelque chose pour fêter votre réussite. Des chasseurs de loups-garous ont monté leur camp dans les parages, au gibet. Ils font partie de la main d'argent. Je crois que vous les avez déjà rencontrés. Nous allons les massacrer, jusqu'au dernier. En route. Skior est déjà parti en reconnaissance. Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Vous faites maintenant partie de la meute, ma sœur. Je vous envie presque. La première fois est toujours la plus... intense. Je préfère... Vous nous avez donné encore plus de mal que Farkas lors de sa première métamorphose. Oui, alors j'aurais préféré que ça n'arrive pas du tout. Je suis un loup-garou, donc maintenant, c'est sûr. Le sang du loup coule dans vos veines. Mais vous allez devoir prendre des forces avant de pouvoir faire appel à lui de nouveau. Et ne vous transformez pas n'importe où. Ces terres grouillent de pleutres qui ne supportent pas de voir plus glorieux qu'eux. Ça signifie quoi d'être un loup-garou ? Rien. Jusqu'à ce que vous décidiez d'utiliser ce pouvoir. Ensuite, eh bien... Vous en avez déjà eu un aperçu. On devient plus fort, plus rapide. L'effet ne dure pas, malheureusement. Mais le sang de vos ennemis peut le prolonger, si vous acceptez de le boire. Plus nous mangeons, plus nous sommes capables de prouesses. Nous pourrions bien découvrir d'autres cadeaux d'Irsine. Ouais, alors je te les laisse ces cadeaux, hein, parce que moi c'est pas tellement mon truc. Y a un remède. Un remède ? Ha ! On croirait entendre le vieux Kodlak. Je n'aurais pas dû dire ça. Je respecte énormément Kodlak, mais il a tort. Ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction qui fait de nous les plus grands chasseurs,
S'il tient tellement à s'assurer une place à Sauvengarde, c'est son choix. Moi, je préfère la gloire de la chasse. Où est-ce qu'on va, alors? La main d'argent s'est emparée de l'ancien fort du Gibet. Ils font toujours des proies si faciles. Ok. Tu peux m'entraîner à l'archerie, tiens. Je vais vous apprendre ce que je sais. Chouette. Eh, comme ça, j'en apprends sur le coup. Eh ben, allons-y. On ne voit pas ça tous les jours. Par contre, vous sauriez pas où elle est passée, J'espère qu'on la reverra, hein. Oh là là là, il y a intérêt à ce qu'on revoie Cash, hein, parce que je ne veux pas la perdre. Cash, c'est vraiment un personnage modé qui est juste trop génial, donc... Bon bah... Allons-y, j'imagine. On va y aller ensemble, c'est ça? Eh oui, c'est ça. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Ah mais attendez! Oh non! Oh non, en me faisant transformer, oh non, ça a créé le problème de la caméra. L'un des modes me permet justement de, vous savez, de changer l'animation de marche des personnages féminins. Il y a aussi l'animation de course. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que à cause de ça, la caméra est avancée. Elle est trop avancée, en fait, elle ne va que jusqu'au niveau du buste. On ne voit plus le personnage en entier, sauf quand on est en mode combat. Et moi, j'étais plutôt content de voir que Valmar l'Argonienne avait échappé à ça, contrairement à mes autres personnages féminins. Et là, à cause de la transformation... Oh, chier. Non, parce que ça veut dire que maintenant, pour voir la tenue, il va falloir que je m'embête à mettre la caméra vers le bas, que je regarde bien attentivement à cause de la lumière et tout. Oh là là. À cause de vous, j'ai perdu l'un des meilleurs avantages à jouer mon Argonienne. Je déteste votre transformation du loup-garou. Allez hop, on y va. Bon, on est là pour taper sur des gens, c'est ça? Exact. Alors allons-y. Ah zut. Vous voyez, même en mode combat, on voit pas entièrement vraiment le corps, donc ça m'énerve. Un mauvais dimanche. Bon. Ok, ok. On n'a plus qu'à rentrer. You could have asked, you know. Ah, Cash! Parfait, t'es là. Ah, sans toi, l'aventure n'aurait pas été pareille. Allez, hop, on prend... ça et qu'est-ce qu'on prend? Ouais, allez, je les ai achetés. Faut que ça serre. Ah, par contre, je déteste vraiment le fait que la caméra soit devenue maintenant aussi proche. Ah là là. Bon. Regardez-moi ça. Ces lâches ont dû se barricader quand Skior a lancé l'assaut. La peur est palpable. Bon, Valmar, dis-toi que le sacrifice de la vision de ton personnage complet est malheureuse, certes, mais disons que c'était obligatoire. Disons que ça fait partie du jeu de base, voilà, c'est ça. On va essayer d'arranger la vérité pour qu'elle paraît moins cruelle. Un autre problème du fait que la caméra est rapprochée, forcément on a moins de vision, on a une vision moins grande, donc ça fait que c'est beaucoup plus proche. Vous voyez, le personnage il me cache carrément la moitié de l'écran à cause de ça, donc pour les passages en discrétion on repassera quoi. Ok, alors avec un peu de chance. Et zut, je le savais, ça arrive toujours. Misara, watch out! Cachez-vous, vite. Restez pas là, vous faites pas repérer dans leur champ de vision.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Oh oh, oh oh, oh oh. Ça va, ouf. Vous avez pu voir une des nouvelles tenues. Et zut! Je devrais arrêter d'essayer de perdre la discrétion. On sait très bien ce qu'il faut manger. Allez, à toi! Ça, c'est juste la tenue de cuir, hein, voyez. Mais je l'ai changée pour qu'elle fasse un peu plus. Un peu mieux. Attendez, on rapproche la caméra pour que vous voyez. Attendez, on va essayer de. Là, tire un peu le bras. Voilà. Vous voyez, la tenue est... Je sais pas, je la trouve meilleure comme ça. Et en plus, le fait que c'est un pantalon, c'est beaucoup mieux à mon goût. À mon goût, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein. C'est la même chose pour les mecs, il faut le savoir, hein. La tenue est exactement transformée de la même manière, aussi bien pour les mecs que pour les femmes. Par contre, ça n'a pas changé la... Le sprite quand tu le loot, donc voilà quoi, donc c'est tout, c'est la seule petite chose qui manque. Ok, ok, il n'y a pas l'air d'avoir de piège sur ce coffre. Il y a un cadavre, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ce que je pensais. D'après l'odeur, nous ne le connaissions pas. Certains ne peuvent pas contenir l'animal qui est en eux. Ils deviennent sauvages. Ce pauvre bougre aurait pu être n'importe qui. Nous devrions continuer. Heureusement que le truc de la caméra qui est trop proche, c'est que pour les meufs, parce que... Et pareil de l'autre côté. Ok, ça c'est la porte de retour, donc il y a tout un petit donjon à faire. J'ai compris. Et comme on est avec les compagnons, on va arrêter à discrétion. On est là pour taper sur des gens. Alors on va taper sur des gens. Pas étonnant qu'il y ait de la vermine partout. Tu disais quelque chose, Ayla? Elle finira jamais. Bon bah écoutez, si vous connaissez la suite du dialogue... Hein. Comme il pleut plus, on va enlever ces trucs là, comme ça. Voilà, comme ça le personnage a l'air un peu plus découvert. Ça me paraît mieux. Oui, une potion de soin, ça pourrait être bien pour moi. Et il y en a d'autres ici, ok. Je sais pas à quoi elle ressemble la tenue dans sa version modée pour les femmes, donc c'est pour ça que je le prends, je verrai ça plus tard. C'est histoire de m'assurer que les tenues soient bien faites, quoi. Quand je vois une tenue qui n'a pas été portée jusque-là, et que donc je ne sais pas à quoi ça ressemble, voilà quoi, je le loot pour le vérifier plus tard. Quand je serai de mon... Nous ne pouvons plus rien faire pour eux. Je préfère ne pas imaginer ce que ces chiens leur ont fait avant qu'ils ne meurent. Bah écoute, grand plaisir pour toi. Ok, c'est trop par là. Donc ce serait plus vers par là. Ok. Ok. Oh, ni plus ni moins que ceux qui vont vous ratatiner. Tiens, voyez ? Il est temps d'en finir. C'est de l'XP, c'est pour ça que j'ouvre les cages. Pas tellement parce que j'ai envie de les ouvrir. Plus parce que ça rapporte de l'XP. Voilà. Oula.
pote m'a l'air d'être un... sujet plutôt intéressant. Bonjour. Une flèche de fer gratuite. Ça me rappelle qu'il faudra pas que j'oublie de redonner des munitions à Cash. Rappelez-le-moi, hein, au cas où si jamais j'oublie. Parce qu'il faudrait pas qu'elle aille à l'attaque. Elle est très forte en archerie, mais sinon elle est très mauvaise dans le reste. C'est... Oula, position pas très réglementaire, madame. Ok, ok, y a pas l'air d'avoir de piège au sol. Y a l'air d'avoir rien ici. Ah, y a un havresac. Un bouquin. Est-ce que je le prends pour ma collection ou... Bah allez, ouais. Ça me rajoute du poids, mais bon. Je le rangerai après. C'est en anglais, donc je m'embêterai pas à le lire. Et de toute façon, j'ai pas prévu de vous faire la lecture, hein. Le lore, tout ça, etc. À vous de le découvrir en achetant vous-même le jeu, hein. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Oui, y a des gens. J'aime quand les musiques de Doom apparaissent. Bon, on a eu tout le monde, on a eu tout le monde. Madame. Une impériale, évidemment. Enfin, je dis évidemment... Mais je me comprends en fait. Donc, tout ce petit monde. Alors, il y a par là, mais il y a aussi là-haut. Alors, où est-ce qu'on va? Toi là, t'avais pas des flèches sur toi? Non. En revanche, ceux qui étaient là-haut avaient des flèches. Donc, excusez-moi. Ah. Non, jamais des fois qu'un PNJ m'en demande une. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien d'intéressant. Pas de bouquin intéressant, pas de truc, ni quoi que ce soit. Ok. Eh ben écoutez. On va aller vers la salle d'en bas. Avec un peu de chance, il n'y a rien. Donc, y a l'air d'avoir rien. Premier abord. Rien à part des coffres intéressants, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouh, un coffre maître. Un défi. Mais j'ai déjà eu un défi lors de la quête du tueur sanguinaire de Vendôme. Donc, ça me fait pas peur. Ok, donc c'est déjà pas par là. C'est pas par là non plus. Ça va être long par contre, hein. Ok. Ok. Ah. Ok, c'est par là. Ok, c'est par là, donc... Ok, pas assez. Toujours pas assez. Essayer de viser Valmar. Ok, là c'était trop. Ça a l'air d'être plus par là, je dirais. Ouais. Une potion visée. Ah oui, au fait, l'argent. L'argent, l'argent. Attendez, où est-ce qu'on voit l'argent dans ce jeu? Normalement, c'est là-dedans, là. Où sont les septimes? Non, c'est pas grave, je vous montrerai ça avec... Dès qu'on trouve des pièces, je vous montre. Parce qu'évidemment, j'ai même modé les pièces.
Oh, ni plus ni moins que la mort en personne. Oh, la belle image de... C'est pas vrai! Même jusqu'ici, le pyro-barbare est passé! Eh oui, forcément, vous doutez bien que si j'avais la possibilité de faire ça, je l'ai fait, quoi. L'argent des abonnés. Il a réussi à transformer toute l'économie à son image! Ah, il est vraiment trop fort. Ah, mais on finira par le battre. On finira par le battre et par le dépasser. Bon. Alors. Il y a une porte par là. Il y a un passage par là. C'est souvent dans ce sens-là, hein, j'ai l'impression. Bonjour, bonjour, y a-t-il quelqu'un ici? Ça a l'air d'être leur chambre, on va dire. Oui, les potions magiques. D'autres trucs comme ça, parce que je les ai perdus les autres. Alors, c'est pas le truc que je visais, mais c'est pas grave. La bourse ou la vie? Tiens, d'ailleurs. J'en reprends une parce que je sais pas si le mod a bien transformé le truc correctement comme je voulais. On verra bien ça juste plus tard. Nous nous rapprochons. Attention, leur chef est du genre sournois. On l'appelle le Possier. Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer pourquoi. Oui, mais moi j'ai des écailles. Est-ce que ça veut dire que ma truc, enfin ma peau n'est pas plus rare? Ou justement, elle n'est-elle pas pire? C'est quoi la différence de qualité entre une peau classique de loup-garou et une peau de loup-garou avec des écailles? J'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Ok, 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 bon. Je peux m'armer d'une fourchette si je veux. C'est une dague, hein. C'est une dague, la fourchette. Hein. Vous pouvez vous battre avec une fourchette hein, dans cet univers, quand même. Ça a été pensé. Excusez-moi, nous sommes là justement pour vous dire que votre activité est mauvaise. Nous sommes donc dans l'obligation de vous éliminer. Ici. Les archers d'abord. Nous sommes partis. Moi, je dois d'abord éliminer ton collègue qui a oublié son t-shirt à la maison. Voilà. Wop. Il m'a buté. Il m'a buté. Ok, donc, dangereux. J'aurais dû sauvegarder. Bon, bah on se retrouve dès que j'aurai fini de revenir jusqu'à ce moment-là. Hein. Eh ben, vous avez raté la vengeance du coffre de maître. Il s'est révélé beaucoup plus dur que la première fois. Bon, à partir de là, on ouvre la porte. On sort l'épée. Et on sauvegarde. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Yeah. Éliminer les archers d'abord. Évitez le chef. Au secours. Au secours! Il me poursuit! Il me court après! Ah, il est juste derrière! Esquiver, esquiver, esquiver. Heureusement, eux, ils pensent pas à descendre. Allez! Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Ok. Ok. Yeah! Vengeance! Ces chiens. Ils ont réussi à tuer Skior. Il était l'un des plus forts d'entre nous, mais la force du nombre l'emporte souvent. Il n'aurait pas dû venir sans frère d'armes à ses côtés. Partez! Je vais vérifier qu'ils sont tous morts et examiner les cadavres. Ils nous fourniront peut-être des informations. Nous avons du travail. La main d'argent tremblera devant nous. Et quelle est notre première cible? La main d'argent parcourt le monde à la recherche des fragments de Vutrade. Un groupe s'est caché dans la brèche. Récupérez cela,
Pour notre honneur à tous. Ok. Bah, et ben, ça a été fait. Merde, il est vraiment mort! Je trouverai le responsable. Ah ben, c'est pas lui, là? C'est pas... C'est pas Kev? C'est pas Kev le possier, là? Le mec qui aime les pots, quoi? Bon. Alors, j'ai vérifié tout le monde. Un coffre de victoire. Ta-ta-ta-ta-ta. Vous avez terminé un donjon. Ouais! Non. Non. Non plus. Non, merci. Un breuvage de puissance. Non, j'en ai pas besoin. Toi, l'ami, qu'est-ce que tu portais? Rien du tout. Ah ouais, ça allait jusqu'à là, quoi. Mais il est où l'autre à qui il manque un t-shirt? Ah, il est là. J'ai déjà pris... Oui, j'ai déjà pris ses flèches. Bon, eh ben, monsieur, la prochaine fois, n'oubliez pas votre t-shirt. Faites attention, hein. À force, on va dire que vous êtes une tête brûlée. Ceux qui ont ri, merci beaucoup. Je vous remercie du soutien au niveau de cette blague. Bon, alors, c'est bien beau tout ça, mais... donc, il faut retirer la truc. Faut-il autre chose? Non, c'est ça la suite de la quête des compagnons. Ok, eh ben on fera ça. Faut juste qu'on sorte, et puis après, faut qu'on retrouve notre chemin, quoi. Voilà. Elle était sympa celle-là d'image. Oui, à force moi j'ai pas level up. Alors, dans quoi je mets la vigueur pour l'instant, hein, puisqu'on est chez les compagnons. Et les prochains trucs, ce sera que pour la magie. On essaie de faire un truc équilibré. Dans quoi je mets ça? Comme pour l'instant je suis encore chez les compagnons. Ouais, mais... voilà, parce qu'il y a les marteaux, il y a les attaques avec les deux épées, il y a les... avec les haches. Mais moi, c'est les épées qui m'intéressent. Donc ouais, pour l'instant, pas là-dedans. Ok. L'archerie, peut-être. Appuyer sur para, donc court de visée, permet de faire un zoom. 10% de chance de faire un critique. Permet de crocheter les serrures sans se faire opérer. Ça pourrait être intéressant, ça. 30% plus difficile à détecter. Ça, ce serait super. Les attaques furtives portées à l'aide d'une arme à une main font maintenant... Ah oui, ça, c'est le truc de... courir en furtivité fait exécuter une roulade. Ok. Ah, l'éloquence, tiens. 10% de meilleur prix avec le genre opposé. Permet de soudoyer les gardes pour qu'ils regardent ailleurs. Ce serait bien qu'on améliore ça quand même à un moment ou à un autre. Les tentatives sont... L'intimidation réussit 2 fois plus. Ok, on va aller sur ça. Parce que j'ai bien envie d'avoir ces trucs-là. Ok, alors. Cela ayant été fait, il ne nous reste donc plus qu'à regarder notre carte. Alors, la carte, c'est... là-dedans, voilà. Alors, où est-ce que je dois aller? Vous avez dit Arrive-Bois. Un groupe qui est Arrive-Bois. Ça, c'est la pierre de l'ombre. Ici. Dans De Faldar. Eh ben, j'ai juste à me téléporter chez mes voisins pour pouvoir aller là-bas.